Mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Il m'échoit la tâche un peu délicate de modérer la séance de cet après-midi, qui sera également la séance de clôture de ce colloque consacré au grand écrivain Mohamed Lefteh. J'aurai le plaisir également de donner la parole à mes chers collègues qui introduiront chacun une manière de voir ou de penser l'œuvre de Mohamed Lefteh. Et la particularité de cette séance cet après-midi, c'est qu'elle s'inscrit un petit peu dans l'hybridité des discours. Deux des communications qui seront faites s'inscriront un peu dans la lancée des travaux, des réflexions qui ont eu lieu ce matin, cette matinée et la journée d'hier, puisqu'elles apporteront également d'autres éléments de compréhension autour de l'œuvre de Mohamed Lefteh. La troisième communication prendra la forme d'une confidence témoignage. Et la séance va enfin se clôturer par une performance théâtrale qui constituera le clou du spectacle. Alors, je commencerai d'abord par présenter mes chers collègues. La première communication sera proposée par Khalid Limlahi, qui est professeur assistant à l'Université de Chicago, où il enseigne la littérature maghrébine d'expression française. La communication qui suivra sera proposée par Abdallah Beda, professeur universitaire de littérature française et francophone à l'Université Mohamed V de Rabat et professeur également chercheur et spécialiste de la littérature ou des littératures francophones, notamment maghrébines. Enfin, Eugène Edobé, qui est aussi professeur universitaire, mais également écrivain, journaliste littéraire au Courrier de Genève, docteur en littérature française et comparée, chercheur associé à l'Université Paul Valéry. La première communication, étant donné que Khalid Limlahi était dans l'impossibilité d'être présent avec nous, a été préenregistrée et sera projetée devant nous. Donc nous commencerons par l'écouter, et puis nous prendrons le relais, et entre-temps, j'inviterai mes chers collègues à peut-être rejoindre l'assistance pour laisser la place à la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui pour participer à ce colloque en hommage au grand écrivain marocain Mohamed Lefteh. Alors, je suis ravi d'être là, de participer, même si c'est à distance. J'espère que nous aurons l'occasion d'échanger ultérieurement autour de nos différentes contributions. Je tiens d'abord à remercier l'Académie du Royaume du Maroc, les organisateurs, les organisatrices, ainsi que ma collègue Assia Abdelhabib, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à ce colloque. Alors, mon intervention s'intitule « Poétique du dialogue et du détour, Lefteh et les marges de la nouvelle ». Et je vais donc me focaliser dans cette contribution sur les nouvelles de Lefteh. La plupart des critiques s'accordent pour dire que le genre de la nouvelle a longtemps été marginalisé, relégué aux marges du roman, et souvent associé à des conceptions réductrices ou simplistes. En 1974, le critique belge René Goden, l'un des plus ardents défenseurs du genre, constate que la nouvelle continue à être considérée, je cite, « comme un vide-poche », où l'auteur, le nouvelliste, déverse des histoires qui n'ont pu être exploitées dans le roman. En France, par exemple, où la forme spécifique de la nouvelle s'est affirmée de façon très graduelle et a connu son âge d'or au XIXe siècle, le genre de la nouvelle est régulièrement décrit comme le parent pauvre des études littéraires. Malgré le succès populaire de la nouvelle, l'incertitude terminologique, on pense ici à la frontière entre la nouvelle et le conte, par exemple,
Donc, malgré le succès populaire de la nouvelle, l'incertitude terminologique et la reconfiguration continue du genre et de ses frontières ont rendu la tâche des critiques plus difficile. Daniel Grozhnowski, par exemple, souligne le caractère, je cite, « le caractère protéiforme d'un genre qui fait la part belle à l'essai, au poème, au dialogue, en reléguant au besoin l'action à l'arrière-plan ». De même, les actes d'un colloque de 1995 dédié à la nouvelle d'expression française s'ouvrent sur un rappel, je cite, « de la malléabilité d'un genre qui ne cesse d'évoluer depuis les débuts de la littérature écrite, ayant revêtu divers avatars et dont la perméabilité à plusieurs genres contingents lui permettra de perdurer à sa manière. » Contrairement au monde anglophone et latino-américain où la nouvelle a fait l'objet d'une production critique plus importante, la nouvelle francophone, aussi bien en Europe qu'en Afrique, ne semble pas avoir bénéficié d'une attention suffisante. Au Maroc, nombreux sont les écrivains et les écrivaines qui ont investi le genre, d'Ahmed Sfraïwi à Fouad Laroui, en passant par Drish Shraibi, Abdelftah Kilito, Leila Abouzeid, Al-Jabbar Sahimi, Ahmed Bosfour, Mohamed Zfzaf et Malika Moustadraf. Je cite Malika Moustadraf ici parce qu'il y a une traduction récente en anglais qui vient de paraître de l'ensemble de ses nouvelles. Et on pense aussi à la traduction de l'Ftah en anglais, qui est aussi très récente. Ceci étant, l'expérience de l'Ftah est originale en ce sens que le roman et la nouvelle, ces genres de prédilection, comme le note Abdallah Baïda, semblent aller de pair, partageant des lignes thématiques et esthétiques qui finissent par mettre les deux genres à pied d'égalité, en les nouant autour d'une poétique commune. Il n'y a là rien de surprenant, puisque le Ftah lui-même nous dit, je cite, que sa visée est essentiellement poétique, que son écriture a pour vocation de trouver les accents du chant à partir du vécu le plus sordide, le plus cru. La relecture des nouvelles de Ftah permettrait non seulement de sortir ce genre littéraire des marges de la critique, mais aussi d'interroger la manière dont les marges de la nouvelle permettent de repenser la poétique scripturale de l'Ftah. Mon but ici n'est pas d'étudier le rapport de la nouvelle au roman dans l'œuvre de l'Ftah, ni de définir la spécificité de ces nouvelles en tant que forme narrative, deux aspects qui mériteraient d'ailleurs des études approfondies, mais plutôt d'investir les déplacements, la dynamique spatio-temporelle et textuelle qui se jouent souvent à la marge de la nouvelle et éclaire ainsi la dynamique du récit court chez Mohamed Ftah. Le corpus de mon étude se limite aux trois recueils de nouvelles que sont « Une fleur dans la nuit » suivi de « Sous le soleil » et « Le clair de lune » paru en 2006, « Un martyr de notre temps » paru en 2007 et « Récit du monde flottant » publié en 2010. Notons d'emblée que les 33 nouvelles qui composent ces recueils sont de longueurs inégales, allant de la nouvelle très courte, telle que Cinéma Caméra, qui tient sur à peine deux pages, au récit qui se décline en mini-chapitres à l'image de Kali à Marrakech. À cette variation structurelle correspond une diversité thématique, où s'entrecroisent réminiscences personnelles, portraits socioculturels et évocations à caractère historique, politique ou littéraire. Plutôt que des textes courts à la marge de ces romans, les nouvelles de Ftah sont donc les lieux d'une écriture, du dialogue et du détour. Une certaine pratique scripturale de la marge, à la fois créative et réflexive, qui se joue des frontières de la forme brève et renouvelle sans cesse l'expérience du lecteur. Un premier aspect qui frappe le lecteur des nouvelles de Ftah est l'accumulation des déplacements géographiques et historiques au cœur des récits. Tout d'abord, les recueils de nouvelles se distinguent par leur vaste étendue spatio-temporelle. De l'Éphèse du 5e siècle avant notre ère, au Casablanca ou au Caire du 20e siècle. Avec l'Ftah, on passe de la cage d'un commissariat marocain à un monastère zen japonais et on quitte la place Jemaa el-Fna pour des vacances dans le Morbihan ou pour une scène dans le Saïd égyptien. Cette dynamique finit par créer dans chaque recueil, mais aussi d'un recueil à un autre, un réseau d'échos et de correspondances.
Ces déplacements spatio-temporels ont lieu non seulement à l'échelle du recueil, mais aussi au sein de chaque nouvelle prise à part. Dans Le Crime de Fatih, par exemple, une nouvelle du recueil Récit du monde flottant, Fatih, une barmaid qui finit par se venger d'un commissaire qui a abusé d'elle, est présentée d'emblée, je cite, comme une romantique invétérée qui vivait dans Zemel Jamil, la belle époque, où avaient retenti les voix magiques de la chanson égyptienne. L'une des chansons préférées de Fatih est Araka Asiyed Deme, Je te vois inaccessible aux larmes, d'Oum Kulthoum, dont les paroles sont l'œuvre du prince poète Abou Firas al-Hamdani. Le Ftah insère dans la nouvelle une courte note biographique d'Abou Firas, rappelant ses poèmes écrits en captivité à Constantinople et son surnom de Shams al-Zaman, soleil du temps. Comme le suggère la répétition du terme al-Zaman, donc dans l'expression al-Zaman al-Jamil et dans le surnom d'Abou Firas, Shams al-Zaman, la dimension temporelle est prééminente dans la structure du récit. Leftser conclut son évocation du poète arabe en s'interrogeant, je cite le texte, « Qui eût pu imaginer que plus d'un millénaire après son extinction, ce soleil brillerait encore de mille feux dans le cœur d'une jeune femme exerçant le métier de barmaid, qu'Abou Firas serait le prince charmant, le preux chevalier qui illuminerait la grisaille qui était brusquement devenue un jour sa vie, alors que toutes les promesses d'un printemps fleuri semblaient s'offrir à elle. » Ici, le déplacement temporel permet d'introduire Abou Firas comme la figure antithétique du commissaire, tortionnaire et violeur. De manière saisissante, la belle époque associée à la poésie et au chant contraste avec la nuit d'hiver où se déroule le viol puis le crime de vengeance. Dans la même nouvelle, et comme souvent chez Leftser, un détail infime suffit à déclencher un nouveau déplacement spatial ou temporel. Michel Vigne note que la nouvelle se distingue par ce qu'il appelle, je cite, « la plénitude signifiante », à savoir l'idée que tout détail est rendu pleinement signifiant puisqu'il se rapporte à un centre d'intérêt, généralement unique dans la nouvelle par opposition au roman. Ainsi, quand le commissaire annonce à Fatih que sa villa s'appelle Firdaus, le texte précise, je cite, « Firdaus, un mot d'origine persane, est aussi l'un des noms coraniques du paradis. Le commissaire avait pris le chemin de la côte et Fatih pensa instantanément à la célèbre villa d'Anfa où on torturait jadis les opposants au régime. » Comme ailleurs dans ses nouvelles, l'attention de Leftser à l'étymologie introduit un nouveau déplacement d'ordre aussi bien linguistique que culturel et symbolique. Ici, ce déplacement, donc incarné par le mot Firdaus, est renforcé par le parallèle entre la villa du commissaire, lieu de crime et d'abus, qui n'a rien de paradisiaque, et une autre villa associée aux pires exactions des années de plomb. En rapprochant ces deux espaces, Leftser met en exergue la continuité de la violence, la manière dont la blessure individuelle rappelle le traumatisme collectif et le besoin de rester attentif et vigilant à la mémoire des lieux. Enfin, il est intéressant de noter que Leftser fait le choix d'ouvrir la nouvelle sur une référence pour le moins inattendue à l'esthétique japonaise, suivant laquelle une cicatrice sur le corps de la barmaid marocaine devient un signe de beauté parfaite, et de refermer son récit au commissariat où Fatih s'apprête à se rendre pour avouer son crime. Si l'ultime phrase de Fatih, je cite, « Je viens de tuer l'hiver », marque la liquidation poétique de la violence subie, le retour au commissariat peut suggérer le début d'un autre cycle de violence. Tout se passe comme si seul le déplacement spatio-temporel, qu'il soit d'ordre cyclique ou épisodique, permettait de saisir l'expérience et le devenir du personnage. À relire les nouvelles de Leftser, on découvre que cette dynamique est déployée dans des contextes différents. Dans la nouvelle « La petite chamelle du bon Dieu », issue du recueil « Un martyr de notre temps », la ferme industrielle de Xer, l'égorgeur de chameaux, prospère grâce au travail de ses deux épouses, mais aussi des servantes et du gardien qui réside sur place à l'écart de l'habitation principale. Leftser écrit, et je cite le texte, « Avec ses cinq servantes et ce gardien noir qui travaillait et vivait à demeure, la ferme qui tenait de l'abattoir et de l'entreprise industrielle pouvait évoquer aussi aux yeux d'un étranger, je veux dire quelqu'un qui n'est pas du pays,
la plantation coloniale qui marqua si longtemps le paysage du sud des États-Unis et celui des Antilles. Si le parallèle établi par l'Fteh entre le Maroc et les États-Unis, le sud des États-Unis et les Antilles, peut surprendre compte tenu des différences radicales entre les deux contextes, à la fois géographiquement et historiquement, le déplacement spatio-temporel permet ici de mettre en lumière, de manière suggestive et à partir d'un point de vue extérieur, la logique de la stratification sociale, de la disparité économique, mais aussi de l'exploitation et de la domination raciale à l'œuvre dans ce microcosme industriel marocain. Et comme avec la Villa Firdaus du commissaire abuseur dans la nouvelle précédente, ce parallèle est renforcé au niveau linguistique. Ainsi, on peut lire à propos de Fahisa, la seconde épouse de Gzer, jadis belle et insouciante, que, je cite le texte, « dès qu'il eut franchi le seuil de cette plantation, elle commença à perdre au fil des jours, des années, sa gaieté, sa joie de vivre. La belle plante qu'elle avait été ne cessait de dépérir. » Le rapprochement lexical entre les termes « plantation » et « plante » est loin d'être fortuit. La seconde épouse est physiquement et mentalement piégée dans le système infaillible de la ferme, qui finit par la contenir et l'étouffer, exactement comme le terme « plantation » contient et absorbe en quelque sorte celui de « plante ». Selon le nouvelliste québécois Gaëtan Brulotte, la nouvelle doit son caractère littéraire moins à son sujet qu'à son élaboration linguistique et stylistique proche de la poésie, en ce qu'elle exige du lecteur une attention particulière aux tournures langagières, aux figures de style, à l'intransitivité de l'écriture, au resserrement de la phrase et aux densités métaphoriques. Dans l'exemple précédent, le déplacement géographique, donc du Maroc contemporain, on va dire, aux États-Unis et aux Antilles, à la plantation aux États-Unis et aux Antilles, la métaphore de la plante et la dérivation linguistique, donc plante et plantation, font de l'ailleurs un miroir où se lie la réalité de l'ici et du maintenant. Pour sonder les mécanismes de la violence, Lefseh enrichit constamment le contexte initial de ses récits par des déplacements spatio-temporels qui renouvellent le sens et élargissent les possibilités de lecture et d'interprétation. Pour approfondir ce mécanisme, deux modalités récurrentes dans l'écriture nouvellistique de Lefseh méritent une attention particulière. Le retour décisif à l'enfance et l'expérience fondamentale du rêve. Tout d'abord, l'enfance sert d'arrière-plan à de nombreuses nouvelles. Dans Communion brisée, un enfant se procure puis se fait subtiliser un portrait du sultan Mohammed V. Dans Cinéma Caméra, un enfant de bonne famille se fait chasser du cinéma caméra de Stas par un garçon issu des bas-fonds. Dans Terreur subite, un enfant perd momentanément l'usage de la parole suite à une chute dans le patio de la maison parentale. Dans une autre nouvelle intitulée « Pour célébrer un oiseau », le narrateur adulte se penche sur le souvenir douloureux d'un oiseau qu'il a égorgé à l'âge de 7 ou 8 ans. Dans l'ensemble de ces nouvelles, l'enfance est le lieu d'une expérience marquante ou d'une blessure lancinante dont la remémoration restitue, parfois avec une douleur plus ou moins étouffée, l'univers de l'enfance. Dans son étude du rapport entre la nouvelle et l'autobiographie, Johnny Grattan souligne, je cite, « dès lors que le descriptif cesse d'agir au service du narratif et qu'il s'en libère pour déterminer la finalité du texte comme acte d'hommage ou de commémoration, le statut de ce texte sera perçu par le lecteur soit comme autobiographique, soit comme poétique, soit comme un mélange de ces deux modes. » Sans dissocier complètement l'outil descriptif de la visée narrative, et en prenant soin de parsemer ces nouvelles d'indices autobiographiques, Lefseh fait du basculement vers l'univers de l'enfance une manière de repenser la structure et la matière de ces nouvelles. Rachid Khalas observe que dans les romans de Lefseh, lorsqu'il se propose de restituer images et emblèmes de l'enfance, cela se fait au moyen d'un procédé, la mise en parallèle, ce qui permet de rapprocher des situations, des expériences ou des sensations. Dans certaines nouvelles, l'enfance est introduite à l'occasion d'un déplacement temporel qui modifie le regard sur le présent
et fait surgir une réalité jusque-là inaccessible. Ainsi, dans la nouvelle « Un martyr de notre temps », quand Shahid s'isole dans une pièce pour lire des versets du Coran avant d'aller accomplir la mission destructrice qui lui a été assignée, la lecture du livre sacré le renvoie à l'univers de l'enfance. Je cite le texte. Brusquement, il se revit enfant au Msid, l'école coranique, clamant avec une joie extatique les courtes sourates de la période mécoise, les premières révélées, apocalyptiques, haletantes, d'une poésie saisissante. La joie l'inonda à ce souvenir, les larmes lui coulèrent sur les joues. L'enfant qu'il était redevenu allait bientôt se transformer en justicier vengeur et implacable. C'est bien le retour à l'enfance qui permet à Shahid de mesurer l'écart entre ce qu'il était et ce qu'il est devenu, et au lecteur de prendre la mesure de la violence inouïe d'un tel basculement. Comme un miroir de la dialectique du clos, donc en référence à la khalwa, à la pièce où donc est l'expérience de cet isolement de Shahid, donc comme un miroir de la dialectique du clos et de l'ouvert, en référence à la ville, le surgissement de l'enfance fait de la lecture du Coran une expérience de poésie, d'extase et d'euphorie intime. La dissociation ainsi de l'horreur de l'acte destructeur et horrible perpétué dans l'espace public. Comme le montre le verbe « redevenir », donc dans le passage que j'ai cité, « l'enfant qu'il était redevenu », hein, donc comme le montre le verbe « redevenir », il ne s'agit pas d'un simple déplacement, mais plutôt d'une transformation, d'une mutation, qui se prolonge d'ailleurs dans les pages suivantes, quand Shahid se retrouve confronté à l'image obsédante d'un bel adolescent vendeur de cigarettes, une image dédoublée de lui-même, d'après le texte, où se révèle, comme souvent chez le Fsah, cette tension entre la vie et la mort, la beauté et l'horreur, le désir troublant et la destruction ravageuse. Comme un écho à cette double transformation, la nouvelle « Le philosophe dévoré par les chiens » permet d'approfondir le rôle de l'enfance en tant que révélation du sens. En effet, la méditation d'Héraclite sur la vérité et la beauté du monde est façonnée par deux rencontres, deux personnages qui rappellent l'expérience de Shahid. Un adolescent lumineux qui nage et s'enfonce dans la mer, et une petite fille courant sur le sable et faisant rouler devant elle un cerceau. Je cite le texte. Ce cerceau tournant sur lui-même apparut à Héraclite comme la matérialisation même, la visualisation de sa conception du devenir. L'univers, son étendue incommensurable, sa splendeur, son devenir, tout ce qu'il n'avait cessé de méditer se ramassa, se condensa pour lui dans le spectacle de cette petite fille jouant au cerceau au bord de la mer. Là encore, le détour par l'enfance permet de résoudre la tension entre la forme close du cerceau et l'ouverture infinie de l'univers. C'est bien l'enfance qui donne sens au présent, condense le monde dans un moment de beauté absolue et permet au philosophe de mettre en mots la pensée qui l'occupe. Je cite le texte, « Le temps est un enfant qui joue au cerceau et l'enfant a toujours raison. » Ainsi, l'enfance apparaît comme le lieu d'émergence du langage, la matrice où se forge la pensée du devenir. Si la nouvelle s'achève sur la mort d'Héraclite, abandonné par les dieux et mangé par les chiens, sa pensée, matérialisée grâce à l'image de la petite fille et de son cerceau, semble se perpétuer, comme l'image du cerceau qu'elle pousse au bord de la mer, comme une manière d'incarner l'idée même du devenir. Chez le Fsah, ce rapport entre le sens et le devenir passe aussi par le déplacement onirique qui mobilise les ressources de l'imaginaire, voire du surnaturel, pour repousser les marges de la nouvelle. Comme l'enfance, le détour par le rêve permet de réorienter le récit et de façonner le destin des personnages. Dans Retour au monde flottant, Hiroki, retranché dans un couvent, s'apprête à être confirmé comme moine quand il fait un rêve décisif. Il se voit bébé, allongé entre les seins de sa mère, deux montagnes à la masse couleur d'ambre et aux cimes auréolées de mauve, dans un état de fusion chaude, charnelle et paradisiaque. En retrouvant son état d'adulte, donc à l'issue du rêve,
Hiroki peut enfin résoudre le koan ou la brève énigme échangée avec le supérieur du couvent. Je cite le texte. Les mots venaient tout seuls, toujours de cette part souterraine, artésienne de son être. J'étais fleur de cerisier, j'étais gouttelette nacrée dans un fleuve céleste, j'étais dans l'estance du Bushido, le premier vers du haïku, j'étais dans tout ce qu'ont accompli de grand et de beau nos ancêtres, j'étais dans un monde que la vaillance de l'âme, l'émotion à la vue de la beauté et l'aspiration au dit poétique n'avaient pas encore déserté. En réhabilitant par la poésie une beauté à laquelle il ne croyait plus, le rêve d'Hiroki le convainc de renoncer à la vie de moine, de renouer avec la mémoire de son père et de redonner sens au monde qu'il pensait superficiel et désenchanté. Le détour par l'univers onirique agit à la fois comme une réinitialisation du sens et une renaissance du sujet. De même, dans la nouvelle L'Isme, donc la dernière nouvelle du recueil Récits du monde flottant, c'est le rêve, encore une fois, qui permet au narrateur, en ressuscitant son premier amour, de saisir le sens nécessairement contradictoire et dissemblable de la réalité. S'adressant au lecteur, le narrateur évoque d'emblée le rêve comme, je cite, « cette mer commune où, chaque nuit, par-delà les langues et les continents, nous nous trouvons plongés ». La lecture de la nouvelle devient une immersion dans l'univers incertain et répétitif du rêve, une expérience de l'isme, ce pont symbolique entre deux visages d'une même réalité. Comme les deux visages, les deux identités du premier amour du narrateur. En tant qu'allégorie de l'écriture duale de Lefser, constamment tiraillée entre l'horreur et la beauté, la nouvelle se referme sur une mer infinie et sans rivage où nage le narrateur pour atteindre l'isme. Lire les nouvelles de Lefser revient donc à suivre une série de glissements spatio-temporels et référentiels qui ont pour résultat de remodeler, et de réorienter le récit pour donner sens aux expériences des personnages et réinterpréter la complexité du monde. Ce que j'appelle l'écriture du détour chez Lefser favorise la transformation de moments intenses de violence, de tension ou de volupté en autant d'occasions d'extension du périmètre narratif et de remise en cause des caractéristiques habituelles attribuées au sujet des nouvelles, à savoir le dépouillement, le resserrement ou la rapidité. Parallèlement à cette stratégie du détour, qui travaille donc précisément à allonger, desserrer, voire ralentir la nouvelle, Lefser déploie une poétique de dialogue au niveau inter- et intratextuel. On connaît très bien l'importance de l'intertextualité dans l'œuvre de Lefser. Ces nouvelles, comme ces romans, font référence, empruntent, voire se construisent en dialogue avec d'innombrables autres textes. Le Coran, les Mille et une nuits, la poésie arabe, la littérature russe, l'œuvre des orientalistes, les écrits des maîtres soufis sont autant d'intertextes mobilisés par le nouvelliste dans les trois recueils. Ce qui est encore plus intéressant est le fait que ce dialogue se déploie également à l'échelle des recueils eux-mêmes. Du nouvel à l'autre, il y a des échos et des résonances qui suggèrent que les récits sont plus ou moins liés. Tout d'abord, cette intratextualité se nourrit de la récurrence de certaines expériences ou de certaines scènes. On peut penser à Zemen Jamil, la belle époque que j'ai mentionnée tout à l'heure, à l'appel du muezzin qui retentit dans plusieurs nouvelles, ou encore au recours systématique à l'étymologie ou à l'environnement ou à la métaphore naturelle, pour rapprocher et réinterpréter la réalité décrite. J'aimerais ici m'attarder sur deux exemples particuliers. Dans Un martyr de notre temps, quand Shahid rencontre l'adolescent vendeur de cigarettes, les versets du Coran qui remontent à sa mémoire s'achèvent sur ce verset. Celui qui aura rendu la vie à un homme sera regardé comme s'il avait rendu la vie à tout le genre humain. Or, l'une des nouvelles du recueil Récits du monde flottant est précisément intitulée L'homme qui rendit la vie à tout le genre humain. Dans cette nouvelle, les mêmes versets sont psalmodiés par les amis d'un Saïdi qui intervient pour sauver la vie d'un jeune homme menacé par deux jumeaux. Dans les deux nouvelles, le verset fonctionne comme un rappel intratextuel de l'écart entre l'humanité et la barbarie, entre la fraternité des hommes et leur férocité. La reprise du verset
permet de relier les deux nouvelles et d'inscrire cette idée du dialogue dans le champ même de l'écriture. Le second exemple est celui de la fleur, un motif qui traverse l'œuvre de Lefser à l'image du terme « noir », pluriel de fleur, en ouverture de son roman « Demoiselle de Numidie ». Dans la nouvelle fleur dans la nuit, la malformation du nombril d'un adolescent offre, je cite, un paysage à la fois floral et géologique, d'une beauté monstrueuse, quelque chose de monstrueusement somptueux. Cette fleur de chair, image ambivalente où se confondent la beauté et l'horreur, fait écho à d'autres fleurs qui traversent les nouvelles de Lefser. Dans Un guerrier amoureux, l'artisan Bahmed raconte le suicide de son compagnon d'armes Franz et ce moment où le sang, giclant de sa bouche, laissa dans la neige, une fleur de sang au cœur de laquelle était nichée, dense, indélébile, secrète, la sauvagerie et la beauté de cette guerra permanente que fut sa vie. Dans Retour au monde flottant, l'appellation poétique fleur de cerisier est utilisée par les kamikazes japonais pour désigner ces missiles qu'ils pilotent pour détruire les navires ennemis. Dans les trois cas, donc dans ces trois exemples, l'image de la fleur est mobilisée pour dire l'interpénétration de la beauté et de l'horreur. Qu'elle soit associée à la chair, au sang ou à la guerre, la fleur devient le point d'articulation d'un dialogue poétique interne entre les différents récits. Tout se passe comme s'il fait, en déclinant ce motif floral d'une nouvelle à l'autre, inviter le lecteur à saisir ce marqueur poétique qui éclaire à la fois l'ambivalence du monde et la poéticité de l'écriture. D'autres éléments communs aux nouvelles de Lefser permettent de créer un réseau de signes sans cesse repris et revisités, incarnant ce que Selim Jay appelle à juste titre une science du rayonnement, à savoir cette capacité à créer un monde à partir d'un détail ou d'un instant. Parallèlement aux détours spatio-temporels et référentiels, le dialogue qui s'établit entre ces signes permet de créer une dynamique scripturale à la marge des récits. En ce sens, l'écriture nouvellistique de Lefser peut se lire comme une pratique scripturale de la marge, en ce sens qu'elle crée des sous-textes en marge ou au croisement des récits. Pour reprendre la formule de Mohamed Nedali, l'écriture de Lefser est totale. Non seulement, comme l'explique l'auteur marocain, non seulement car elle est poétique, imagée, jouissive, goulayante, capable des écarts les plus extraordinaires, mais aussi car elle additionne, cumule, juxtapose des espaces, des temporalités et des références culturelles et littéraires, y compris au niveau intratextuel. Cette dynamique est mise en scène de manière saisissante dans la dernière nouvelle du recueil Un martyr de notre temps, intitulée L'auteur en quête de personnages. Ici, l'auteur reçoit la visite d'un ami d'enfance, Ididir, qui l'encourage à écrire une septième nouvelle pour relier les six précédentes et donner ainsi une certaine cohérence au recueil. Pour ce faire, l'auteur opte pour l'introduction d'un nouveau personnage, Hajj Si Mohamed, le maître du Msid qui a rédigé son acte de naissance et qui l'associe de manière créative aux autres personnages. Comme l'a démontré Abdullah El Aouindari, ce récit métafictionnel est, je le cite, la fonctionnalisation d'un débat sur la création littéraire et sur le rapport de l'œuvre aux autres textes et au réel. J'aimerais, pour conclure cette intervention, pousser un peu plus loin cette réflexion en postulant que cette nouvelle, donc l'auteur en quête de personnages, incarne également cette écriture du détour et du dialogue que j'ai évoqué. Tout d'abord, la nouvelle prend la forme d'un échange entre l'auteur et un ami d'enfance et peut donc s'apparenter à cette catégorie que Michel Vigne appelle la nouvelle dialogue, c'est-à-dire une nouvelle où, je le cite, « le dialogue est censé mettre en lumière et dégager la nature profonde des interlocuteurs ou de l'un d'eux en particulier ». En s'adonnant à un exercice de réécriture initié par un dialogue métafictionnel, Lefser dévoile dans cette nouvelle la figure de l'auteur nouvelliste, mais aussi le personnage et les questions qui hantent son écriture. Ensuite, en revisitant les nouvelles et les personnages du recueil, cette ultime nouvelle met en scène une version accélérée de tous les déplacements spatio-temporels et intratextuels précédents.
On y retrouve l'univers de l'enfance incarné par le Fré, mais aussi le Coran à travers l'histoire du peuple de Talmud, mais aussi un roman russe, des références à la philosophie occidentale et cette appellation chère à Fseh, qui est la Nouvelle Babylone. Par ailleurs, l'image de la nouvelle passerelle, donc cette septième nouvelle comme une nouvelle qui agirait comme une sorte de pont ou de passerelle entre les autres nouvelles, et la conception du recueil comme un archipel ne sont pas sans rappeler l'isme, dernière nouvelle du recueil, Récit du monde flottant, que j'ai mentionné plus tôt, ce qui confirme là encore la dimension intratextuelle du récit. Si la poétique, d'après l'épigraphe empruntée à Lévinas, est, je cite, le rassemblement des choses et des êtres dans un monde où tout prend sens, ce rassemblement s'opère chez le Fseh grâce entre autres à l'enchaînement des détours et à la perpétuation du dialogue avec d'autres repères spatio-temporels ou textuels. Chez le Fseh, la poétique du dialogue et du détour a ceci de particulier qu'elle invite à élargir l'horizon de la nouvelle, à ébranler les critères de concision ou de resserrement associés au genre et à renouveler sans cesse le sens et le périmètre de la lecture. Il y a là une tentative non seulement de redéfinir les marges de la nouvelle en tant que genre littéraire, mais aussi de sortir l'écriture nouvellistique de la marginalité critique en mettant l'accent sur la pluralité et la complexité qui lui sont inhérentes. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Cheikh Khalid Limlahi pour sa précieuse contribution qui s'intitule « Poétique du dialogue et du détour, l'Iftah et les marges de la nouvelle ». Je voudrais aussi corriger un petit impair que j'ai commis tout à l'heure puisque je n'ai pas rappelé certaines des publications de Khalid Limlahi avant de revenir très brièvement sur le contenu de sa communication. Khalid Limlahi, comme je l'ai dit tout à l'heure, est professeur assistant à l'Université de Chicago. Et il a rédigé les préfaces aux deux volumes de l'œuvre poétique de Labi aux éditions Sirocco en 2018. Il a également co-dirigé un ouvrage en anglais dédié à l'œuvre et pensée de Khatibi. Et outre ses travaux académiques, Khalid Limlahi est aussi l'auteur d'un roman intitulé Un roman étranger. Donc la présentation de Khalid Limlahi nous a permis de retenir une information précieuse concernant la pratique, comme il l'appelle lui, scripturale de la marge, incarnée par l'écriture de la nouvelle chez le Fteh. Il nous montre également l'usage esthétique et éthique que le Fteh fait de ce genre, parfois considéré comme marginal, bien à tort évidemment, ou bien périphérique, si on la compare ou bien si on la rapproche du roman qui est souvent exaucé en genre majeur. On comprend également avec Khalid Limlahi que le Fteh fait voler en éclats les frontières des genres, comme il le fait aussi de celle qui sépare les univers sociaux et les identités qui leur sont associées. Khalid Limlahi a développé aussi deux axes qui m'ont paru intéressants, celui d'abord de l'intratextualité, ce qu'il appelle l'intratextualité, c'est-à-dire le fonctionnement de la nouvelle comme un jeu d'écho au sein des recueils qu'il a évoqués, sur lesquels il a travaillé, donc des nouvelles entre elles, mais également on pourrait souligner cette forme d'intratextualité qui est à l'œuvre entre les nouvelles et les romans de Mohamed Lefteh. Donc au final, on peut retenir que l'écriture de la nouvelle chez Mohamed Lefteh fonctionne selon deux lois presque physiques, centrifuge et centripète, et comme il l'a si brillamment expliqué. Alors je vais essayer de forcer un tout petit peu la transition pour passer donc à la deuxième communication qui sera présentée par Abdallah Beydan. Que je donc présenterai d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, Abdallah est professeur de littérature française, mais il est également auteur d'un certain nombre d'ouvrages et de travaux consacrés à des auteurs marocains. En premier lieu, Mohamed Khairdine, auquel il a consacré
une thèse publiée ensuite et intitulée « Les voies de Khairuddin » aux éditions Bourgueil, publiée en 2007. Il a également consacré un certain nombre de commis un certain nombre de chroniques de littérature marocaine, de langue française, sous forme donc de réflexions critiques sur un certain nombre d'ouvrages parus. Et ce texte a été publié à Séguier, aux éditions Séguier à Paris, et également à la Croisée des Chemins de Casablanca, donc sous le titre de « Au fil des livres, chroniques de littérature marocaine de langue française ». Il a consacré bien évidemment un ouvrage qui sert pour les besoins de ce colloque de référence, souvent cité par ailleurs, un ouvrage consacré à Al-Ftah, donc Mohamed Al-Ftah, ou « Le bonheur des mots », paru aux éditions Tariq. Puis, dans le domaine de la fiction, ne l'oublions pas, Abdallah Beida est l'auteur de 3 romans, « Le dernier salto » 2014, « Nom d'un chien » 2016, « Testament d'un livre » 2018, mais aussi d'un recueil de nouvelles, « Les djellabes vertes se suicident », paru en 2020. On sait que Abdallah Beida est en passe de publier et de nous faire découvrir son 4e roman très bientôt. Alors, l'intérêt de la communication d'Abdallah Beida réside dans le fait qu'il a fréquenté Mohamed Al-Ftah. Il l'a connu de près et qu'il a eu avec lui un échange de courriels qui s'est étalé sur à peu près 2 ans, n'est-ce pas, d'avril 2006 au 3 juillet 2008. Et donc, comme il le dit lui-même, il s'agit d'une conversation à bâton rompu, hein, où l'on peut grâce à lui en tout cas, découvrir une autre facette ou bien une autre dimension de la pensée, de la réflexion de Mohamed Al-Ftah, de son rapport à l'écriture. Donc je lui cède sans plus tarder la parole pour ses confidences et témoignages. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'intitulé de mon intervention est « Écho d'une correspondance avec l'Eftah, les confidences du maître ». Il s'agit, comme vient de le préciser le président de séance, d'un échange de courriel de façon assez régulière qui a eu lieu entre l'Eftah et moi-même entre le 29 avril 2006 et le 3 juillet 2008. Une sorte de conversation à bâton rompu où nous naviguions de l'intime à l'universel et nous nous attardions souvent sur des questions relatives à l'écriture, à la littérature et à la culture en général. Jusqu'au bout de ces angles, Al-Ftah était l'homme du verbe qui avait le souci de la perfection et qui était habité par ce que j'appellerais un scepticisme constructif. J'estime donc aujourd'hui qu'il serait utile d'exhumer quelques composantes de ces échanges et de les partager notamment avec les lecteurs et surtout avec les chercheurs, non pas pour donner matière à un quelconque voyeurisme malsain, mais plutôt pour y puiser, autant que faire se peut, matière à éclairer l'œuvre et à cerner la personnalité de l'écrivain. Cette intervention sera donc centrée sur les déclarations de Mohamed Al-Ftah dans nos échanges, tout en évoquant certains aspects de son œuvre qui sont susceptibles d'être éclairées par cette correspondance. Nous allons voir notamment comment Al-Ftah tient toujours à maintenir un rapport étroit entre le quotidien et la littérature. Ceci se fait en attribuant aux expériences du quotidien des retombées d'écriture, en reconnaissant ses pairs et en accordant aux mots une place de choix dans sa réflexion.
Mohamed Leftah ne peut s'empêcher de se référer à la littérature et de l'évoquer, même dans des situations les plus critiques, les plus difficiles parfois. Tel est le cas, par exemple, dans cet exemple, dans ce courrier datant du 20 septembre 2007. Je le cite, « Il est 6 heures du matin, je me suis réveillé à 5, désastre complet, des cadavres partout, je passe par une semaine alcoolique de folie, je n'ai plus l'âge, je suis dans cette situation d'étouffement asthmatique, atroce, où tu m'as vu dans l'hôtel à Rabat, j'essaie d'écrire. C'est très atroce, cet étouffement asthmatique, nul clin d'œil à Proust. Hacha man arafa qadra. L'écriture, lui, est vitale. Leftah était porté sur l'échange épistolaire et le débat avec les amis, au point d'accorder à ses emails une valeur salvatrice. Voici son témoignage datant du 16 septembre 2007. Mon cher Abdallah, je viens de passer une semaine d'une telle intensité émotionnelle. Ce qui m'a sauvé, c'est une intense correspondance avec Khalid, et à l'horizon de cette correspondance, il y avait toi, Hamoudan, Basfaw, Kenza, les amis absolus. C'est très beau, c'est tragique. Trois expressions méritent ici toute notre attention. Intensité émotionnelle, très beau et c'est tragique. Ces composantes mises ensemble reflètent, à mon avis, des ingrédients incontournables dans la production littéraire de Leftah. Des mots-clés qui en disent long sur sa conception de l'écriture. L'émotion, le beau, le tragique. C'est du passage par une zone de turbulence émotionnelle et physique que peut naître le texte, la littérature. La matière épistolaire est susceptible d'évoluer vers la création. Pour Leftah, elle avait des retombées d'écriture. Je le cite, « Ce qui me reste de positif de deux semaines, de ces deux dernières semaines, et ce, grâce à l'intense correspondance que j'ai eue avec toi, avec Khalid, ce sont des retombées d'écriture. Je pense à des poèmes en prose ou à un long récit. Enfin, on verra », écrit-il le 25 septembre 2007. Une semaine plus tard, le projet d'écriture se précise et Leftah revient sur le même sujet. Je suis sorti du séisme émotionnel qui m'a ébranlé durant deux semaines. Aussi, la correspondance délirante que j'ai eue avec vous a déjà pour moi des retombées très positives du point de vue de l'écriture. Les choses ne tardent pas, fin de citation, les choses ne tardent pas à se préciser quant à son projet d'écriture lié aux échanges avec les amis et chemine déjà vers le texte. Un titre était là. Je le cite, « J'écris actuellement un texte issu des métamorphoses que je fais subir à la correspondance bien que j'ai entretenu durant deux semaines, 12-25, avec toi, Khalid, Hamoudan, Kenza, Qassem, mon éditeur, les fantômes des marins qui franchissent le Cap Horn au XVe siècle. » Fin de citation. Pardon. Et par la suite, il poursuit. Entre-temps, des nouvelles d'un futur recueil s'entrechoquent en moi. Je viens de faire monter au jour l'une d'elles. Mais obéit-elle au genre qualifié de nouvelle? Je ne sais pas. Disons donc tout simplement, texte que je t'envoie ci-joint. Il s'agissait d'une nouvelle intitulée Abel. Leftah n'hésite pas à s'auto-analyser lui-même et à chercher des mots pour
rendre compte de cette expérience. Et par la suite, en effet, il continuait à écrire des textes de création, notamment des nouvelles, mais il ne lâchait pas la correspondance. Après le titre qu'on a cité tout à l'heure, Une saison en enfer, il en trouve un autre. Je t'envoie mieux l'intégralité. J'ai à peine touché à ces emails, corrigeant les fautes d'orthographe, et le tout sous le nom Lettre du Cap Horn. Les expériences vécues par le Ftah donnent inéluctablement des textes de création, mais après leur avoir fait subir un ensemble de métamorphoses, mais aussi des résolutions peuvent émaner de la lecture d'une œuvre. Au seuil de l'année 2008, le Ftah m'a écrit, je le cite, Comment démarre le nouvel an 2008 ? Je ne sais pas si tu as lu un recueil de très courtes nouvelles de Solzhenitsyn intitulé « Études et miniatures ». Cette lecture très ancienne m'a donné l'idée de m'essayer à mon tour à l'écriture, la peinture de miniatures. L'expérience est agréable, mais le résultat est-il convaincant ? À titre d'exemple, je t'envoie l'une de ces miniatures, fin de citation, et cette miniature, justement, c'est une nouvelle qui s'intitule « L'araignée ». Le genre, c'était un projet auquel le Ftah tenait beaucoup, le fait d'écrire des textes courts, et notamment, il va revenir à ce projet ou bien à cette volonté d'écrire des textes courts plus tard, lors d'un échange qui a eu lieu le 17 mars 2008, je le cite, actuellement, je médite une nouvelle sur le projet de Pirandello qui avait voulu écrire nouvelle pour une année, soit 365. Pirandello n'atteignit pas son objectif. Je crois qu'il a écrit dans les 255 nouvelles. Pour avoir des nouvelles pour une année, en supposant qu'on en écrive une chaque semaine, il faudrait 7 ans. Cela suppose que chaque semaine, on a vécu, ou assisté, ou imaginé une scène intéressante, rencontré un personnage réel ou fictif, intéressant, etc. Mais, poursuit le Ftah, mais la vie quotidienne offre-t-elle une telle richesse, une telle variété ? Enfin, je rumine plein de questions, d'hypothèses. Fin de citation. Tous ces projets n'isolaient pas le Ftah dans une sorte de tour d'ivoire, comme on pourrait le croire. Justement, je voulais insister sur ce point. Mohamed Leftah n'était pas un ermite. Il était tout à fait prédisposé aux sociabilités et aux échanges avec les autres. Certes, il n'était pas dans les mondanités, mais c'était avec plaisir, par exemple, qu'il collaborait avec quelqu'un qui voudrait travailler sur son œuvre. Voici, à titre d'exemple, comment il avait accueilli ma demande lorsque je l'avais sollicité pour remplir des fiches que je préparais pour un dictionnaire des auteurs. Je le cite, « C'est avec grand plaisir que j'ai lu ton message. Je te souhaite plein de succès pour l'important projet auquel tu participes. J'ai rempli la fiche que tu m'as envoyée en lui adjoignant en annexe 3 textes courts qui répondent partiellement à la question « Comment concevez-vous l'écriture romanesque ?» Fin de citation. Une des qualités qui se dégage des écrits de Leftah, et non des moindres, c'est la reconnaissance des pairs. En 2008, j'écrivais un article sur Demoiselle de Numidie,
Et je posais à l'auteur pas mal de questions, notamment sur la genèse du roman et sur son originalité. Voici sa réaction, qui mérite notre intérêt, je le cite. « Je viens de me réveiller de ma sieste sacrée et j'ai trouvé, comme je m'y attendais, un nouveau mail de toi, Socrate impitoyable, s'acharnant à me faire accoucher une seconde fois de ces demoiselles, de ces sacrées demoiselles. La prostitution et l'alcool, avant moi, Choukri, Zefzaf aussi, je crois, deux auteurs dont je n'avais alors rien lu, avaient traité de ces sujets. On ne peut donc pas dire que c'était absolument neuf dans le champ littéraire marocain. Si ma démarche, et c'est ce qui est le plus important, si ma démarche a quelque chose de neuf, c'est peut-être au niveau de la forme. D'emblée, j'ai écarté la perspective réaliste, dénonciatrice, engagée. Ma visée était essentiellement poétique. Le grand, l'indépassable modèle que j'avais à l'esprit était Saint Genet. Trouver les accents du chant à partir du vécu, le plus sordide, le plus cru. Il y avait aussi le plaisir de faire un pied de nez au connard barbu et inesthétique qui, par ailleurs, ignore tout un pan lumineux de leur propre tradition. » Fin de citation. Il est toutefois vrai que l'Eftah était assez solitaire en Égypte. Ayant constaté cela, puisque je l'avais rencontré à deux reprises au Caire, je lui ai demandé si ça l'intéressait d'entrer en contact avec deux coopérants du service culturel de l'ambassade de France au Caire, à qui j'avais parlé de lui en marge d'un colloque en Égypte. Voici comment l'Eftah avait accueilli l'idée. C'était dans un email datant de 12 novembre 2006. Évidemment que je serais réjoui de faire connaissance avec Denis et Marc. Notre sage dicton populaire ne dit-il pas « Ma'rift Nas Kenz ». Grand merci donc à toi et de leur avoir parlé de mon humble personne. Et tu peux donc leur transmettre mes coordonnées dès réception de cet email. Il en est de, fin de citation, il en est de même pour le milieu universitaire égyptien, qu'il voulait bien connaître sans oser faire le premier pas. Je l'avais mis en contact avec une collègue et amie de la faculté des lettres du Caire. Il a eu quelques échanges avec elle en 2007. Et dans un de ses emails, justement, il évoque cette personne. C'était en le 21 février 2007. Je cite Mohamed Leftah. Je t'envoie 6 juin la réponse de Rara, suite à la nouvelle, la main périssable que je lui avais envoyée. Puis-je lui donner à lire, là, il pose la question, puis-je lui donner à lire le roman bien transgresseur inspiré par l'Égypte, pour qu'elle me dise s'il peut me coûter mon séjour en Égypte. Est-elle proche des frères et sœurs, entre guillemets, ou au contraire libérale et ouverte à l'écriture la plus osée? En tout cas, j'espère nouer de fructueux échanges culturels avec elle. Fin de citation. Il était bien sûr question du roman « Le dernier combat » du capitaine Nemeth. L'Eftah avait finalement préféré ne pas le publier de son vivant. Ce roman ne sortira, comme nous l'avions évoqué déjà, qu'en 2011 aux éditions de La Différence. Il était évident, il était également très indulgent vis-à-vis des journalistes
J'avais assisté à une rencontre qu'il a eue avec un journaliste qui était venu l'interviewer sans avoir rien lu de lui. Et cette attitude m'avait un peu choqué. Lui, par contre, était tout à fait prêt à pardonner l'indélicatesse et l'ignorance des journalistes. Après la sortie de l'article dans un journal ici au Maroc, Leftah va m'écrire un email datant du 30 janvier 2007 où il va dire « J'ai lu l'article de notre ami journaliste qui a compressé l'entretien en y mettant son grain de sel. Mais nous ne plaignons pas trop, si j'excepte Jamal Boudouma qui a enregistré avec moi un entretien pour 2M. Il a été le seul journaliste de la presse écrite à m'interviewer. » Fin de citation. En 2008, j'ai pensé à un livre collectif au sujet de l'œuvre de Leftah. Je lui en ai parlé et le projet a bénéficié de son enthousiasme. Nous avions longuement échangé à ce propos. Voici un email, justement, entre autres, qui contient ses propres suggestions relatives aux personnes pressenties pour contribuer à l'ouvrage. Je cite Leftah. Les noms qui me viennent les premiers à l'esprit sont bien sûr Khalid Zikri, Qassem Basfaou, Lem Dagri, qui semblent s'intéresser à ce que j'ai écrit. Salim Jay, bien que ces éloges dithyrambiques m'emplissent de confusion, mais j'éprouve une dette de reconnaissance envers lui, car il a beaucoup fait pour la promotion de mes livres. Il continue. Abdeljlil Lahjomri, lors de la rencontre des écrivains marocains de la diaspora, cet homme d'une exquise courtoisie a tenu des propos bien élogieux sur mes textes. J'ai correspondu avec lui au sujet de Sayyid al-Hurra. Leftah continue. Deux noms qui vont t'étonner, Fouad al-Aroui et Mohamed Nidali. Pourquoi ? Voici ce qu'a écrit un blogueur, et Leftah cite le blogueur, à l'occasion d'une table ronde sur la littérature marocaine contemporaine au Maghreb des livres. Cet auteur, c'est-à-dire Mohamed Leftah, a été encensé par Fouad al-Aroui et Mohamed Nidali, et comme j'ai cru comprendre qu'on le rapprochait de Mohamed Zefzef, j'ai souhaité le découvrir. Fin de la citation du blogueur. Leftah continue à proposer des contributeurs éventuels au collectif. Et une contribution que je lirai avec émotion, quelques lignes de mon cher et vieux prof El Maleh. Ensuite, j'aurais aussi été tellement sensible à un texte de Kilito. Il me connaît bien, je l'avais longuement interviewé chez lui à Rabat quand j'étais journaliste. Mais je pense que cet artiste de l'allusif et de l'elliptique, de la légèreté, ne doit apprécier que modérément mes écrits, s'il lui est arrivé de les lire. Leftah continue. Je connais bien aussi Abdelwahab Meddeb, que j'avais eu aussi l'occasion d'interviewer longuement à Casa. La différence lui avait envoyé mes deux premiers romans dédicacés par moi. Pas un petit mot de remerciement. Alors, autant laisser tomber, à moins que tu aies des relations avec lui. Leftah continue. Le traducteur Abdelkbir Chalkawi, j'ai discuté avec lui au salon du livre à Casa, homme timide, courtois, cultivé. Il a beaucoup apprécié les demoiselles. Faire appel à sa contribution lui donnerait peut-être, qui sait, l'idée de les traduire en arabe.
Voilà, ce sont là un exemple de sa contribution lui-même à réfléchir autour des gens qui peuvent éventuellement contribuer à ce collectif. Et le projet avançait assez rapidement, et des articles arrivaient déjà au bout d'un mois du lancement de l'appel. Et un des emails, une des réactions, après avoir reçu les premiers textes, une réaction datant du 14 mai 2008, je le cite, « Cher Abdallah, ravi que notre projet soit sur la bonne voie, et plus encore que la première fleur de ce florilège me soit offerte par un écrivain, Nidali, que j'apprécie beaucoup. Son texte bien élogieux, et vraiment je n'arrive pas à me faire à ces éloges qui me semblent bien immérités. Son texte, donc, traduit une lecture attentive qui a mis à jour certaines caractéristiques principales de mon écriture. La non-linéarité, l'intertextualité, la création d'un espace où faits vécus et littérature s'interpénètrent constamment. » Fin de citation. Dans les échanges avec l'Iftah, il est facile de détecter le grand intérêt qu'il accordait aux mots et à la précision de leur signification. Il n'hésitait pas à solliciter ses amis pour vérifier le sens d'un mot, pour approfondir sa polysémie, etc. Trouver le mot juste est certes une préoccupation chez Mohamed Leftah, une préoccupation majeure, mais il tenait également beaucoup à la tonalité et au rythme adéquat à des sujets parfois qui sont difficiles. Toutefois, quand on a cette exigence, on ne peut que douter du pouvoir des mots. À maintes reprises, ce scepticisme constructif avait hanté Leftah. Ses textes lui posaient parfois problème sur un autre plan. Il ignorait s'il répondait au canon littéraire ou pas. Il avait aussi besoin d'être rassuré, il avait besoin d'avoir un regard externe sur son œuvre. Je cite par exemple cet extrait d'un email d'octobre 2007. « Je t'envoie le premier jet d'une nouvelle nouvelle. » La nouvelle dont il s'agissait, c'est la nouvelle intitulée « La contemplation de l'arbre ». « Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Texte nul, valant le coup, mais n'ayant rien à voir avec la littérature, point d'interrogation. Ce doute qui me taraude à chaque nouvelle écrite est extrêmement pénible. C'est pourquoi j'abuse de ton temps et que je t'envoie ce texte. Je veux que tu me dises le plus sincèrement possible. Pour une sincérité totale, il faudrait s'adresser à un lecteur neutre. Je veux que tu me dises ce que tu en penses. Par là, tu me rendras un grand service. » Fin de citation. Les formes courtes permettaient à Leftah de faire des expériences et de manipuler le sujet, la langue, le rythme. Il m'avait demandé mon avis sur le manuscrit de Hawa. J'avais apprécié, bien sûr, le texte, la tonalité épique de ce récit, sa poéticité et le fait qu'il s'inscrive dans une sorte d'expérience des limites. Toutefois, j'avais émis quelques réserves sur le volume du texte, que je trouvais trop court. Voici la réaction de Leftah par rapport à ces remarques. « Cher Abdallah, ton mail bien élogieux me rassure. Effectivement, c'est une expérience des limites que d'emblée de jeu, consciemment, j'ai voulu exprimer dans une prose cheminant au plus près du poème. » D'où le mot « chant » figurant dès le titre. « Je suis conscient que je n'ai pas eu le souffle assez puissant pour faire durer plus longtemps ce chant. Mais j'ai peur, en noircissant de nouvelles pages,
d'entamer la forme et la densité de ce noyau poétique que recèle le roman. Je laisserai donc celui-ci tel quel et signerai le contrat. Il faut dire, fin de citation, il faut dire que la recherche aussi faisait partie du travail de notre écrivain. Comme cela peut se remarquer dans les déclarations de Leftah, partir à la quête de la documentation, ramasser la matière avant de faire fonctionner l'imaginaire et le verbe sont des étapes incontournables. C'était à cela que consacrait Leftah une grande partie de son temps lors des deux dernières années de sa vie. Un projet qui, hélas, n'a pas pu voir le jour, était en cours et le voici. Je le cite. « Je t'avais parlé d'un projet de roman sur As-Sayyida al-Hurra. Faute de documentation, je me disais que j'allais imaginer, réinventer cette femme historique, mais imminemment romanesque. Or, voici que dans un livre que j'ai ramené du Salon international de l'édition et du livre de Casablanca, le titre du livre, Shahrazad Tarhalu ila al-Gharb, figure dans une note une documentation susceptible de grandement m'aider. L'auteur, Fatima Mernissi, il faut-il s'en étonner, évoque ma future héroïne et signale les livres en arabe où elle est évoquée. Et il va me donner la liste de ces livres en précisant « Ma demande est la suivante, pourrais-je abuser de notre amitié et de ton temps en te demandant de faire ton possible pour dénicher ces livres et me les envoyer ?» Leftah a en même temps, à côté de cette documentation, une autre caractéristique qui apparaît dans son travail d'écrivain, c'est qu'il était très méthodique dans son travail et il a consacré beaucoup de temps à mettre de l'ordre, même dans ses écrits, et à composer des ensembles publiables à partir d'une matière accumulée pendant de longues années, ce qui a donné les livres qui viennent d'être publiés actuellement. Alors, toutefois, cela ne veut pas dire que Leftah avait des certitudes, malgré la documentation, malgré le caractère méthodique de son travail. Mais ce rythme rapide, Leftah n'avait pas des certitudes ou des recettes à appliquer. Dès qu'il terminait une œuvre, il était secoué par une phase du doute. Et il y a plusieurs exemples dans son œuvre qui témoignent de cela. J'en cite un. « Je viens d'achever un nouveau recueil de nouvelles, mais ce rythme rapide me trouble et me pose des interrogations à propos du genre de la nouvelle, justement. » Peut-on poser à travers celle-ci certaines des questions cruciales qui se posent à la pensée et à la culture arabe contemporaine, sans qu'elle perde certaines de ses caractéristiques principales, la concision, l'ellipse, l'intensité dramatique. Il y a certes, fin de citation, il y a certes la recherche de la matière, la documentation, un travail assidu, les doutes, mais il y a aussi parfois ce qu'on peut appeler le déclic, l'inexplicable, le fait de croire à un certain moment que quelque chose doit advenir sans aucun fondement rationnel. Leftah m'avait raconté une anecdote qui relève de ce registre. C'était dans un email datant du 17 mars 2008, je le cite. J'habitais au 14e arrondissement. Un jour, dans une petite ruelle très calme, je dénichais un troquet qui s'appelait le Numide. Mon cœur battit, et crois-le ou non,
avant de franchir le seuil de ce troquet, je suis d'un savoir intuitif et certain que mes demoiselles allaient voir le jour. En prenant un rhum au comptoir, je pensais soudain à Amran El-Malah, mon ancien prof de philo, qui habitait à Montparnasse. Je lui envoyais le manuscrit, il aima, l'envoya à sa maison d'édition La Pensée Sauvage et aux éditions de l'Aube. Celles-ci donnèrent un avis favorable. Fin de citation. C'est un email datant du 17 mars 2008. Alors, en défilant ces emails, et je conclue sur ce, je vois la date fatidique de juillet 2008 s'approcher. C'était à ce moment-là même que la matière de notre ouvrage collectif, Le bonheur des mots, Mohamed Leftah ou Le bonheur des mots, les textes commençaient à arriver. Cela faisait plaisir à Leftah. Il était imprégné de littérature jusqu'au bout. Le 3 juillet 2008, je reçois de sa part ce courrier. Cher Abdellah, j'ai subi une lourde intervention chirurgicale et je vais rester probablement hospitalisé jusqu'au 10 juillet. Mais j'émerge déjà et le moral est inébranlable et serein. Je dirai en sortant la pièce d'Abdelhaq Hanoun, remercie-le de ma part et surtout El-Malah pour le texte qu'il va te proposer. Réaffirme-lui comme je serai encore plus heureux s'il pouvait activer la publication de l'essai que j'ai écrit sur lui et qui me tient tellement à cœur. Je t'écris ce mail de l'hôpital, mon cher Abdallah, et c'est ma femme qui va te l'envoyer de la maison. Je t'embrasse, Mohamed. Ce fut les derniers mots que je reçus de lui. Deux semaines plus tard, il nous a quittés. Mohamed, tu mérites amplement cet hommage et bien d'autres. Merci à l'Académie du Royaume d'avoir permis cette communion. Mohamed, nous pensons à toi. Nous continuons à te lire avec plaisir. Nous t'embrassons. Merci. Merci à Abdellah Beda pour ses confidences littéraires ou épistolaires qui nous donnent à voir le portrait de Leftah en auteur fidèle à ses amitiés, littéraires. Le portrait d'un homme habité par le désir d'écrire et capable de transformer tout ce qu'il touche en émotion littéraire, comme en témoignent les fragments du courriel échangés avec toi. On retient aussi, d'après ce que tu viens de présenter de Mohamed Leftah, l'image d'un homme d'une humilité extrême, car toujours étonné et ému qu'on puisse dire du bien de lui et de son écriture. Cet aspect n'en rend que plus admirable et exceptionnel, Mohamed Leftah. Je passe la parole à présent à Eugène Ebaudet. Mais avant cela, j'aimerais revenir brièvement sur l'œuvre d'Eugène Ebaudet, que j'ai présentée tout à l'heure en tant que docteur en littérature française et comparée, en tant que journaliste. Eugène Ebaudet est un écrivain. Un écrivain reconnu et salué en Afrique, en France et ailleurs. Je peux citer quelques-uns de ses ouvrages, quelques titres, si vous permettez. Donc parmi les premiers, donc il est l'auteur de 9 romans à peu près. Donc le premier, La Transmission, paru aux éditions Gallimard en 2002, La Divine Colère 2004, et en arrivant au dernier, publié en 2021,
sorti chez Gallimard, « Brûlant était le regard de Picasso ». Eugène Baudet, en tant que journaliste littéraire au Courrier de Genève, a également écrit récemment un auteur, le portrait de Mougasar, qui a été pris Goncourt, comme on le sait bien évidemment, 2021. Alors, j'aimerais quand même brosser un bref portrait aussi d'Eugène Baudet. Et j'aimerais le qualifier en lui volant un mot que je lui ai entendu dire hier à Selim Jey, de généreux propagandiste. Dans le sens, je me permets d'utiliser ce terme parce que, bien évidemment, dans tous les sens positifs que le mot peut avoir. Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Eugène Baudet, c'est la première fois qu'on se retrouve ensemble, et donc ça me fait très plaisir. Mais je sais que Eugène Baudet est un grand ami des écrivains de manière générale, des écrivains au Maroc en particulier, qu'il lit, qu'il commente chaque fois que l'occasion lui en est offerte. Et donc Eugène Baudet est à sa façon généreuse, un passeur inconditionnel de la littérature. Alors aujourd'hui, nous allons écouter avec un certain intérêt la communication d'Eugène Baudet, qui s'intitule « Mohamed Leftah, au miroir du chahut à travers, au bonheur des limbes ». Il tâchera notamment d'y répondre à la question suivante. Quel tour va encore nous jouer Leftah ? Nous attendons tous avec impatience la réponse. Je vous en prie. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, madame, messieurs les académiciens, cher Neza Lefta, chère Safia qui se trouve au Caire, chère madame Lefta qui est à Paris, cher Yanis, le petit-fils, mesdames, messieurs les professeurs, cher Bachir, ta mère, cher Driss Rales, cher Assia Belhabib, vous qui avez œuvré pour cette rencontre, soyez-en remerciés, chers collègues écrivains, chers amis journalistes et membres de la grande famille, par conséquent, de l'EFTA, chers éditeurs, chers étudiants et étudiantes, recevez en vos grades et qualités, selon une formule prisée en Afrique centrale, toute ma gratitude pour ces 3 jours d'échange autour d'une personnalité singulière et autour d'une œuvre pluridimensionnelle, bien entendu autour d'un immortel, Mohamed Leftah. Chers tovarish, j'utilise ce terme de camarade non par séduction politique, mais par affection et par passion commune avec Mohamed Leftah pour la littérature russe en général et pour Pushkin, Alexandre Sergeïevitch Pushkin en particulier, auquel Dostoïevski rendit un hommage extraordinaire et vibrant en 1880, hommage que reprend Mohamed Leftah et qui figure dans une production nouvelle publiée par les éditions Virgule. Et dans cet hommage, Dostoïevski fait l'éloge d'Alexandre Sergeïevitch Pushkin, et cet hommage est intitulé « Discours sur Pushkin » et sur les horizons littéraires que celui-ci brasse, des horizons qui ne sont pas que littéraires, mais qui sont poétiques et même patriotiques. Quel tour va encore nous jouer Mohamed Leftah ? Vous l'avez dit, cher modérateur, c'est l'interrogation majeure qui envahit tout lecteur, me semble-t-il, initié à l'œuvre de Mohamed Leftah, en abordant
une nouvelle lecture de ses livres. Mohamed Lefta a su les coudre d'un fil particulier, celui du burlesque, du savant et du corrosif, mais aussi celui de l'étonnant. L'ancien informaticien qui connaissait notre nouvel et labyrinthique univers numérique s'est affranchi de ce métier pour se tourner vers un autre, plus complexe encore, la littérature. Qu'est-ce que c'est? Il y répond, c'est l'art de l'inattendu. Alors, comme c'est l'art de l'inattendu, c'est par elle qu'il entendit démêler les chevaux d'un monde galopant de confusion en restriction et de soumission en accommodements multiples et déraisonnables aux injonctions bridant les libertés. Écrivain de l'impertinence, il s'est donc saisi de l'insolence, de l'impudence même, de l'incorrection et surtout de l'irrévérence comme mode opératoire, ainsi que cela a été fort bien exposé durant ces trois journées pour établir la marque de fabrique du récit leftaïen. De descriptions parfois scabreuses en construction licencieuse, il manie l'art du cocasse comme celui de brocarder en guise d'esthétique. La verve de Mohamed Lefta, cumulus chargé d'averses orageuses sur fond de scandale ou à travers l'histoire et la geste fantastique, telle est sa littérature qui recourt à la satire sociale pour dénoncer le dévoiement des mœurs, voire l'accoutumance au chahut. Subversif, il l'est, par amour du contre-pied, afin de produire un retournement du sens commun. Il le fait habile et grandiose dans la réinterprétation d'un souvenir de jeunesse dans une chute infinie. Mohamed Lefta place ainsi le chahut positif, d'aucuns diraient subversif, au cœur de son univers narratif et en particulier dans Au bonheur des limbes. C'est au miroir de cette œuvre dantesque que dis-je, où est l'ogomienne, on y reviendra, que se joue derrière le gargantuesque et la causticité des mots, le conte, le chant choral, vu comme enjeu et usage impératif aux fins de sauvegarde. Sauvegarde de quoi? Mesdames, Messieurs, de l'imagination entendue comme une citadelle imprenable. Dans celle-ci, la dérision et l'autodérision sont des outils contre l'esprit de sérieux. Pas seulement contre l'esprit de sérieux, mais aussi contre la passivité, mais aussi pour cet autre chemin difficile mais passionnant qui consiste à faire le pas de côté. Ce pas de côté, très cher à Kafka. C'est à partir de ce retrait volontaire que l'écrivain se pose en vigie. Patrick Rimbaud, pastichant le règne de Louis XIV et le grand siècle, que singent parfois les présidents de la Ve République en France, a pourfendu le règne de Nicolas Ier en le noyant sous les rires. L'académicien Patrick Rimbaud résuma du reste son projet littéraire en expliquant que celui-ci visait à dégonfler ce que gouverner fait enfler non seulement de la tête, mais les chevilles. Dans Au bonheur des limbes, roman de la résistance à l'oppression, de quoi s'agit-il donc? Il s'agit du livre comme projet. Mais quel projet? Le projet d'une vie. Ce fut la perspective des encyclopédistes. Elle est reprise par Mohamed Lefta. Inscrite aussi dans une revisitation de la bibliothèque en tant que moyen jugé le plus fiable pour bousculer et congédier. Congédier quoi? Et bien sûr, l'infâme. Toutefois, sans esprit de chahut, mais avec toute la volonté de participer pleinement à la consolidation de la conversation initiée par Lefta,
celle de remplir donc la bibliothèque par d'autres noms, afin d'élargir le spectre et de répondre aux vœux de l'EFTA, je vais un peu abonder son œuvre pour encore l'adosser aux multiples, pour densifier la vocation qu'il trace, celle de l'universel. Mohamed Lefta, au miroir du chahut, c'est en effet d'abord l'art de la nomination, puis l'art de la dérision comme outil pour bousculer les torpeurs. En effet, comme ses devanciers, Lefta s'illustre dans le registre de la dérision et de l'ironie mordante. Horace, dont il suit les traces, né en 65 avant Jésus-Christ et mort au 8e siècle avant Jésus-Christ, poète de l'ère augusténienne, popularisa le libelle imprécateur en s'appuyant sur la hardiesse novatrice et la hargne batailleuse de son illustre prédécesseur et fondateur du genre, le poète Lucilius. Et ce dernier fit de la critique des mœurs son mode privilégié d'expression. Son art poétique, forgé dans l'autodérision, entendait s'extirper du roman historique, de l'érudition, pour se muer en poème flagellateur, usant donc de la confidence faussement murmurée comme stratagème. Pour ne rien sacrifier à ce qui lui paraissait essentiel, la liberté de dire. C'est la même sur laquelle se fonde l'œuvre de Lefta, et il voulut ainsi confier, toujours suivant le mot d'Horace, ses secrets à ses livres, non pas, je ne parle pas de Lefta, mais de Horace, il voulut confier ses secrets à ses livres comme à de fidèles camarades pour s'élever contre la dépravation des mœurs et la corruption des âmes à Rome. S'élever contre la corruption des mœurs, c'est bien aussi ce que fait Lefta. Et pour cela, il ose tout, s'appuie naturellement sur l'érudition, mobilise la bibliothèque et même les dieux pour contester et dévoiler l'ignominie. La rêverie, autrement dit, le territoire de l'imagination, lui en donne le prétexte, et c'est ainsi qu'au bonheur des limbes, Lefta y exerce malicieux son devoir de trublion. L'introspection ouvre son récit et le sevrage d'un enfant apparaît ici lourd de conséquences, voire de frustration. Et c'est ainsi que, en achevant la lecture du truculent au bonheur des limbes, on ne dira plus jamais « Je suis tombé par terre ». C'est la faute à Voltaire. Je suis tombé le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Mais on dira plutôt, mon moral est bien bas et bien là, c'est la faute à l'Abzidila. Toutefois, c'est par une audace scripturaire que le narrateur va explorer les voies du salut, celles de la restauration multisectorielle sensorielle que Lefta se charge de réaliser, elle ne concerne pas uniquement le lait maternel. Il l'incorpore au vin dont la coupe est servie dans ce roman global, dont la coupe est donc servie par deux échansons dans un lieu, le Don Quichotte, fondé pour, dit-il dans son livre, « L'ivresse et l'oubli ». Deux femmes torrides y dominent la scène, la musulmane et ondulante Warda, prêtresse d'un culte menacé, écrit l'auteur, mais surtout adepte des tours de Rhin céleste. Elle fréquente ce lieu en même temps que Solange Caïna, la juive au décolleté braillard et aux divins accroupissements. Ces personnages, croupes et sains à l'air, offrent
la coupe de mémoire et d'oubli que cherchent désespérément, selon l'EFTA, pendant toute leur vie, sans la tenir entre leurs mains, les taux sevrés de la vie. Sous la voûte de la fosse où elles évoluent, le romancier campe, le lieu des étourdissements régénérateurs qui se métamorphose en ces religions du salut personnel. C'est ce salut qu'il magnifie et consacre. Il aurait tout aussi bien pu convoquer l'Ardin dans ce lieu et dans ce roman des illustres et des figures tutélaires. Il aurait pu convoquer l'Ardin, l'inventeur du journalisme, de la raillerie politique, qui, comme les auteurs utilisant le registre de l'insolence, se voyait en secrétaire de l'univers, ne manquant d'ailleurs pas d'adosser son projet à une maxime relative à l'homme de vérité, celui qui dit tout, qui ose tout dire. Sur ce mode narratif, qui ne veut rien dissimuler et tout déballer, l'EFTA, comme Erdin, le Erdin du roman le Déterreur, l'anthropophagie en moins, va souvent recourir à la métaphore de la fosse ou à celle du cimetière. Cela a été abondamment dit pendant tous ces jours pour que je n'insiste point. La première, la fosse première, recouvre une autre qui renvoie, elle, à la finitude de l'homme, et cela a été aussi excellemment dit par la professeure Assia Belhabib, pour que je n'insiste point. Ces références sombres, porteuses de tristesse pour ce qui relève de la fosse, ou excessivement jubilatoires pour les coupes qu'on peut y boire, peuvent rebuter le lecteur en attente d'une littérature de plein divertissement. L'EFTA en a conscience, mais il aime surprendre, d'où cette annonce décrivant la fosse. Cette fosse, dit-il, est un havre de liberté, comme le furent les catacombes pour les premiers chrétiens persécutés. Au centre du jeu littéraire qu'il met en œuvre se situe donc, nous l'avons aussi dit ici et suffisamment insisté sur ce point, le roman est pour lui dirigé tout droit contre la barbarie. Et partant, la métaphore de la fosse est un refuge. C'est d'ailleurs précisément dans cette fosse que le narrateur de Bonheur des Limbes s'est réfugié pour échapper aux satrapes nouveaux, menaçants et cruels. Il veut moissonner les crânes et toutes les têtes qui refusent de se soumettre. L'EFTA le nomme, parce qu'il faut nommer les choses et mal les nommer, c'est subir. Il le nomme, et ce nouveau barbare est le clone d'un despote que nous avons déjà rencontré dans une autre littérature, celle des fondations, celle des fondements, celle les mille et une nuits, et le tyran qui s'en est échappé est de retour sous les traits du nouveau Shahriar. Le nouveau tyran donc, qui a pris aujourd'hui, dit l'EFTA, le visage de foules manipulées, fanatisées, hurlantes. Nous les reconnaissons, nous les nommons, ils les nomment, c'est le fanatisme. L'EFTA a donc besoin d'une figure de rédemption, d'une figure de contre-attaque, d'une figure de protection, et c'est Scheherazade qui apparaît. Elle accourt et se métamorphose en un duo des chansons qu'il intègre dans une sorte de roman total dont l'horizon d'attente est l'amour, la promesse du bonheur, hypothéquée par la nouvelle radicalité, par la nouvelle barbarie. C'est donc dans ce contexte que le romancier recourt à de prestigieuses références littéraires et spirituelles. Si l'obscène cohabite avec le sublime,
L'auteur a néanmoins convoqué les livres et des êtres chéris et des personnages également. Ils apparaissent donc pour sonner l'alerte générale sur la menace sur les hommes et les femmes qui risqueraient d'être broyés. Et les gardiens de la bibliothèque qu'ils convoquent ici sont aussi adossés à un esprit supérieur. Cet esprit vient aussi du Maroc. Il vient des fondations de ce pays. Il vient de Fès. Il vient en promenant également avec lui, en entraînant avec lui des livres saints pour constituer le Collège des protecteurs. Dans ce livre total, ce chant choral que pousse Lefta, on peut constater qu'il y a de nombreux Européens. Pardonnez-moi de les citer, il y a Marthe Robert, il y a Rimbaud naturellement, il y a Roland Barthes, j'en parlais avec l'ami Salim il y a quelques heures, il y a bien entendu Nietzsche, il y a des personnages sarcastiques comme Evelyn Vogue, il y a bien entendu Kafka, il y a Ovid et ses Métamorphoses, thème cher à Lefta, il y a Proust, il y a Baudelaire, il y a Michelet, il y a Alan Edgar Poe, il y a Cervantes, lequel conçut son Don Quichotte, cher à Lefta, dans une fosse, pardon, une prison. Il y a Thomas Mann, il y a Pétrone et son Satyricon, décrivant la débauche et la débâcle de Rome. Il y a Homère, il y a Héraclite, il y a bien sûr Georges Luis Borges. Il y a Tolstoï, nos amitiés russes sont présentes. Il y a William Shakespeare, l'incontournable. Mais il y a aussi, et cela a été dit, une convocation de figures du monde arabo-musulman, du Proche-Orient, et qui sont, bien entendu, d'abord le livre, qui est important, le Coran. Il y a ensuite la Bible, il y a évidemment Moulay Idriss, le fondateur de Fès, il y a Scheherazade, notre ancêtre mille fois vénéré, c'est lui qui l'écrit, il y a Rabia al-Adawiya, la sublime soufie, et cela a été dit par la plupart des intervenants qui ont parlé de Lefta et de sa mémoire suffisamment ample et suffisamment forte pour adosser à sa littérature une spiritualité sans laquelle il n'y aurait point d'âme. Il y a bien entendu la Vierge Marie qu'il célèbre aussi dans Au bonheur des limbes. Il y a Abou Nouas qui est un écrivain du IXe siècle, du califat abbasside de Bagdad. Il y a la poésie bédouine, bachique naturellement, voire érotique, c'est incontestable. Il y a Ab Farid Adin Al-Tayyar, qui est un poète qui a conçu une œuvre qui intéressera notre ami Salim, puisqu'il se penche vers la Perse ces temps-ci, et dans les citations d'auteurs que fait Lefta, il y a le livre des délectations et des plaisirs partagés. Livre des délectations et des plaisirs partagés, c'est un thème très cher à notre mémorialiste qui convoque ici d'autres poètes persans comme Aboul Faraj al-Asfahani, natif d'Ispahan, et que Lefta nomme affectueusement le troubadour vagabond et défiant le temps, avec son magistral livre des chansons. Il y a bien entendu la reine de Saba, et on peut peut-être imaginer que c'est probablement pour se rapprocher de ses sources que Lefta eut cette passion pour l'Égypte, et il a, comme il a été dit, notamment par le professeur qui est intervenu avant moi, comme tu l'as dit, eh bien, Lefta, qui est parti
après t'avoir envoyé des messages sur son lit d'hôpital, est parti certainement avec le sentiment qu'il allait rejoindre d'autres figures qu'il avait tant côtoyées, mais on aurait bien aimé que ces rencontres soient retardées. Il convoque aussi dans ce livre des Africains, Tahar Jaout, et on sait que ce poète a été assassiné par précisément le fanatisme. Il convoque, et cela a été dit, Lakaina, il convoque Abdelkébir Ratibi et bien sûr Edmond Amran El Maleh. Il n'oublie pas l'Asie dans ce tour, dans cette collection des figures immortelles et nécessaires. Il y a Rabindranath Tagore, il y a Yasunari Kawabata, le Japon n'est pas oublié, mais à travers ce panthéon dressé comme une méga-anthologie du nouveau livre, brandi comme un étendard contre les dogmatiques, Lefta en est bien sûr le scribe et tient un mégaphone qui égrène les noms d'immortelles figures. On peut néanmoins se demander s'il n'y manque pas quelques figures. Je vais y revenir dans un moment, mais insistons aussi sur celles qui sont présentes. Il y a les sinistres figures qu'il convient de pourfendre et d'écarter de notre horizon. Il y a Caligula et Néron. Il y a bien sûr celui qu'on appelait le Führer, Hitler, qui... Et ces figures, rassemblées autour des fanatiques, sont celles qui honnissent les plaisirs, qui tiennent à l'écart les jouisseurs et veulent les soumettre à la diète. Et ils ont notamment pour projet d'interdire le vin, la musique, la caresse des vagues sur les corps dénudés des femmes, le jeu, l'érotisme, le rêve. Comment faire pour que ces interdictions ne gagnent pas le terrain, pour qu'elles ne s'imposent pas? Eh bien, c'est par le roman opposé à cette fatidique issue et qui servira d'étendard contre la barbarie. Et Lefta nous prévient, l'aube noire de Torquemada, du nouveau, de l'éternel, et grand inquisiteur, rôde. Mais dans la fosse où il s'est réfugié, où s'élève gloussement et cri orgasmique de Warda et de son épigone Solange, eh bien, dans cette fosse, il y a une proclamation qui est centrale dans le camp dans lequel a choisi de se ranger Lefta. Il y a une espèce de proclamation, une espèce de consigne qui est fixée, ni Dieu, ni maître. Dans ce refuge, ce sont les limbes qui comptent. Pourquoi comptent-elles? Parce que l'imagination qui est ici convoquée a un pouvoir incorruptible. Lefta insiste donc sur ce qui lui paraît primordial. Si la bibliothèque est convoquée dans Au bonheur des limbes, c'est sous la forme du roman global, de la fiction polyphonique, qui doit agglomérer à elle tous les genres. Elle renverse le découpage classique entre tragédie d'une part, poésie et poésie de l'autre. Elle congédie aussi les frontières entre l'épique, le lyrisme et le dramatique. Adieu donc, Aristote. Bienvenue au livre des livres pour un nouveau contrat sociétal, semble dire Lefta. Il passe par le conte, il passe par l'oralité qui mute en littérature pour devenir des mille et une constellations,
parmi les plus éblouissantes auxquelles est donnée naissance l'imagination humaine, dit-il. Ainsi se réjouit le romancier en jetant auparavant une forme de trouble dans les genres. Trouble dans les genres littéraires pour rebattre précisément les cartes du fictionnel. Annoncé agonisant, voici le roman. Entre le récit référentiel qui renvoie à la décennie noire, par exemple en Algérie, et réorganisant autour de l'hybridité des genres pour opérer une palingénésie nécessaire. Voilà comment Lefta place le personnage de Warda en vigie, n'ayant précisément à la bouche que cette interrogation. Jusqu'à quel cercle descendrons-nous ? Jusqu'à quel cercle descendrons-nous ? Cette interrogation fait écho à l'exorde de la première catilinaire lorsque Cicéron, s'attaquant à Catilina, dénonçait sa conspiration contre la République romaine. Et Cicéron accusait et fonçait vers Catilina en lui disant « Jusqu'à quand, Catilina, abuseras-tu de notre patience ?» Combien de temps en effet encore cette folie qui est la tienne ? Combien de temps se jouera-t-elle de nous ? Jusqu'à quelle limite se jettera ton audace effrénée ? La vigie que fait parler Lefta exige que soufflent toujours plus fort les vents de l'imagination et des plaisirs pour conjurer le malheur. Jusqu'où jouirons-nous semble être ce qui étincelle dans l'œil avide de la vigie. Ce que vise le romancier et la métaphore de la fosse soutient cette entreprise qui consiste à sanctuariser l'imagination à en faire le domaine de l'inviolabilité. Lefta pastiche ici Platon et reprend différemment son commandement inscrit au fronton de l'Académie de Platon à Athènes, et cette inscription était la suivante : que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Lefta, de sa fausse château, proclame donc à sa manière l'imagination inattaquable. Et il le dit, que nul donc ne descende dans celle-ci s'il est insensible à la magie et à l'envoûtement de la littérature. Ô métamorphose aussi, bien des temps anciens qu'elle a fidèlement rapporté qu'à celle qu'elle a imaginée, continue d'imaginer et de nous proposer, afin de nous aider à déchiffrer une part, si minime soit-elle, de l'énigme des formes, des visages et des corps, les nôtres. L'auteur place les corps en suspension, en équilibre instable, au miroir des existences terrestres. Les fragilités provisoires ou durables ne reflètent jamais que les agonies intolérables. Liquéfaction tremblante sous la buée des passivités, elle forme les corruptions du vivant en pochoir suspendu sur nos destins. La liquidation de tout rêve équivaut à la chute. C'est en chirurgien que s'imagine justement le romancier afin de réduire par l'imagination déployée et le pouvoir de nomination nos cellules cancéreuses, celles qui mènent à la fausse vie, à la vraie fosse, morne et lugubre, le cimetière. Le regard droit dans celui du lecteur, Lefta définit son rôle, fixe le périmètre de sa mandature d'impertinence, elle est située dans sa caverne oraculaire. Je cite, « Du fait même que nous l'ayons baptisé de ce nom funèbre de fosse, et comparé aux catacombes,
Le lecteur aura deviné que cette fosse est le théâtre et la reine des jeux, d'enjeux cruciaux, que des fauves affamés et rugissants risquent à tout moment d'y surgir pour déchiqueter les corps des convives et qui descendre signifie qu'on accepte de courir ce risque. C'est ainsi que dans le bar nommé le Don Quichotte, la fosse est métaphorique, l'enseigne renvoie à une dénomination, écrit Leftin, celle-là même qui inaugura l'âge du roman. Cette recherche d'honorabilité d'une littérature en quête de lecteurs use du scandale comme d'une sirène hurlante. Lefta lui accorde une fonction tribunicienne. Le roman est une tribune à partir de laquelle s'expriment les princes et princesses des lettres. Ce sont eux qui ouvrent un chemin neuf ou qui déblaient des voies rendues impraticables par les éboulements. Si généralement le mot d'impertinent paraît malsonnant, parce que dérangeant, osé, parce que arrangeant, peu arrangeant avec les puissants, parce que prenant la distanciation asociale pour ne point cheminer avec la compromission, quelles réserves pourrions-nous émettre sur ce monument textuel que constitue au bonheur des limbes? Le statut ambigu du Nubien, récurrent dans l'œuvre de Lefta, fantasme ou apologie de la pédérastie, alarme plutôt contre les conventions tacites. Oui, l'impertinent grossit le trait pour fustiger. Alors, cher Tovarich, cher Lefta, par quel bout exercerions-nous notre droit de réserve et notre devoir d'interroger que tu chérissais? Serait-ce à travers l'idée de femme-objet, exutoire pour phallocrate, mais déguisée en vigie? Non. Scheherazade ou la Vierge Marie ne fornique pas. Alors, quelle réserve? La voici, Tovarich. Ma réserve, elle n'est pas une contradiction. Elle abonde plutôt dans ton sens de la disputatio, de la conversation, de l'amicale fabrication de ce qui est l'œuvre commune. Mais il me semble, Tovarich, que manque ici une plus ample convocation du roman africain. Oui, Lefta accorde une grande importance à la nomination de la fosse qu'il qualifie lui-même de coïncidence hautement emblématique. C'est le lieu où la vie se poursuit en temps de restriction. Le bar, dans son roman, est l'espace privilégié où dansent les zombies, où échouent des fracturés. Mais également, nous l'avons vu, l'endroit où se recompose l'avenir, l'écrivain est ainsi débordant pour son Don Quichotte. Il ordonnance par ailleurs plusieurs fabriques de singularités selon l'acception qu'accorde à ce terme Jérôme Mézeau. On peut s'étonner, en effet, disais-je, de la faible présence d'auteurs africains dans ce bonheur des limbes, à partir duquel Lefta rapatrie sur terre la métaphysique des réenchantements et procède à un réaménagement de l'inviolabilité de la fiction. Inviolabilité pour une extension du territoire de l'écrivain. L'Europe, nous l'avons vu, est omniprésente dans son bréviaire. Zeus, le commandeur, y est présent. Nausicaa, la princesse régénératrice aussi. C'est elle qui vole, on le sait, au secours des naufragés. Mais il y a des naufragés auprès desquels on aimerait que vole la littérature.
Seuls deux auteurs marocains sont présents dans Au bonheur des limbes, en sus de son narrateur, bien entendu. Il y a l'écrivain marocain Edmond Amran El Maleh, c'est écrit dans le texte. Y figure aussi l'auteur de la mémoire tatouée, Abdel Kebir Ratibi. Très cher Tovarich, pourquoi Mohamed Choukri, qui connaissait si bien les bars et les cercles de la nuit, qui côtoyait son impitoyable univers et les humains désespérés qui flottent dans ses brumes, n'est-il point cité dans Au bonheur des limbes? Et Erdine, ce dissident magistral, à l'écriture dérangeante, moquant les anoblis pour mieux taquiner l'aigre et rallonger la légende, par l'hameçon du cocasse et du crasseux, du funambulesque et du vertigineux. Pourquoi n'y est-il pas? Où sont passés Kilito et Idriss Shraibi? Convoquer le passé n'est pas simple, c'est vrai. Mais c'est le présent impérial qui s'impose. Alors, cher Lefta, c'est dans les habits que tu as endossés que je vais me glisser pour suggérer qu'il eût été possible d'ajouter quelques autres compères de nos contrées à ce panthéon universel que tu as dressé, pour éviter que perdure le monopole européen sur les figures iconiques rassemblées d'ordinaire pour la sauvegarde de l'intérêt, plutôt des intérêts, de leur propre lutte, les luttes européennes. L'universitaire Claire Ducournau, dans La fabrique des classiques africains, écrit « Des agents culturels situés dans divers espaces géographiques et dotés du pouvoir de classer, participent à ces luttes en mettant en œuvre des catégories fondées sur l'origine susceptible de perpétuer des modes de pensée essentialistes. On songe alors plus à nos absents, l'émir Abdelkader, combattant, philosophe, croyant magnanime. On songe à Kateb Yassine, Albert Memmi et son portrait du colonisé, ou plus proche de nous, à Boualem Sansal ou à Kamel Daoud. Mais ce dernier, récemment entré en littérature, ne figurait pas, avait échappé, bien entendu, à des radars, puisqu'il n'existait pas encore, au radar leftaïen. Tous sont des écrivains de l'insolence, voire du pas de côté capital, ce pas de côté qui les distingue, qui indispose, qui impose aussi à la noblesse de plume de les exposer et de les rappeler. Mais tout en disant qu'il manque dans Au bonheur des limbes, il ne manque pas, je dois le souligner tout de suite, il ne manque pas dans la grande œuvre, la totalité de l'œuvre de Lefta, puisque dans la littérature, dans ses chroniques littéraires parues aux éditions Virgule, eh bien, on trouvera la plupart de ces personnages, ceux que Lefta lui-même a pu approcher, qu'il a interrogé et pour lesquels il a fait paraître des portraits, lui aussi. Mais il peut manquer d'autres personnages plus féminins, par exemple, même si on sait que Fatima Mernissi est abondamment citée aussi. On peut trouver dans la littérature dite africaine quelques personnages féminins qui manquent à cette anthologie des figures immortelles. On peut citer Assia Djebbar, Nina Bouraoui et bien d'autres.
Pourquoi est-ce que je reviens sur ce qui manque? C'est parce que dans cette maison s'est tenue en 2015 une rencontre avec pour thème l'Afrique comme horizon de pensée. Et dans cette thématique, il était question de faire en sorte que cette Afrique, souvent divisée, souvent segmentée, se retrouve. Et pour tous ceux qui évoquaient ces rencontres, ces chaînons manquants, ce rassemblement à faire, eh bien, il se trouve que le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, le professeur Abdeljalil Lajomri, exprimait donc ici même un point qu'il me plaît de rappeler. L'apport philosophique de l'Afrique, disait-il, est riche. Il constitue aussi une voie vers la réflexion et la médiation autour des affaires du siècle et des défis au même titre que les belles lettres africaines. Connues pour leur richesse dans les créations humaines de haut niveau et la vision esthétique. Il s'agit de lettres mondiales en croissance, dont l'horizon imaginaire ne se limite pas à l'examen des affaires de l'identité, du patrimoine, de la pauvreté. Il s'agit, insistait-il, de lettres humaines qui embellissent la face de l'Afrique. Ériger donc l'objet littéraire et l'objet culturel en volonté de fiction est donc une perspective louable, ainsi que l'entreprend l'EFTA, ainsi que j'essaie ici d'abonder dans son sens. La volonté de vision qui est complémentaire à l'œuvre littéraire pose aussi un cadre qui renforce le cadre esthétique et éthique, celui qui découle, indique encore le professeur Lajomri, de contenus relatifs à la solidarité, à la tolérance dans un monde de plus en plus complexe et perturbé. On le voit, l'importance du dialogue culturel est indispensable afin qu'à l'heure des grands ensembles, l'Afrique ne soit point absente, disait l'écrivain Henri Lopez à cette même tribune, que l'Afrique ne soit pas absente des grandes consultations mondiales, qu'elle ne soit pas l'oubliée de la bibliothèque du livre universel. Cher l'EFSA, chers confrères, si nous sommes réunis sous l'ombre portée de ton immense contribution au rayonnement humain, c'est grâce à la vivacité de ton esprit et ton approche constamment tendue vers la transcendance. C'est aussi pour converser de l'essentiel. Et converser de l'essentiel nous amènerait à parler des anglophones ébouriffants, puisque ici, j'ai surtout évoqué les francophones. N'oublions pas nos anglophones ébouriffants, comme Wole Soyinka, comme Chinua Achebe, comme Amos Tutuola. Ce dernier, avec ses cortèges de fantômes, abusant du vin de palme pour survivre au désastre, aurait été de joyeux drills dans ton anthologie des illustres pour affronter la tyrannie que tu combats. Il serait dans la fosse casablancaise, cohabitant avec le Hage, champagne à la main, aux cruches de vin de palme, sous les selles, et dervichant à loisir au rythme des derboukas en lorgnant les croupes onduleuses et ceintes de ceintures de bananes des dames et chansons façon Joséphine Baker. Par l'Abzizila, il nous fallait ton roman plurivocal et l'impertinence comme outil, comme il nous faut aussi des forces additionnelles pour apaiser et consolider des territoires du sursaut. Il nous faut ouvrir un plus large champ à la littérature diasporique, aux membres de ce continent archipélique qu'est l'Afrique,
qui sait combien les dialogues les plus féconds restent à construire par-delà les fractures immémoriales, mais au moyen de reconnexions utiles à la Nouvelle-Afrique. Certes, la littérature n'est pas un dosage régional, comme le serait la composition d'un gouvernement. Elle est aussi représentation. Elle est enjeu symbolique pour renforcer des identités remarquables et des fictions remarquées aptes à renseigner le poids et le sens de nos imaginaires. Salim G. me le disait hier, ce qui nous plombe aussi, c'est la population des écrivains sans cesse en augmentation. Cette inflation de la production peut nuire à la réception. Ce qui nous manque, ce sont des réseaux de diffusion pour que les livres circulent aussi vite que les bouteilles de lait. Je ne parle même pas de vin. L'Afrique a à affermir des liens avec elle-même, avec le monde arabe, avec Haïti, avec les Antilles, l'EFTA. Cher Tovarich, tu vouais une affection à Édouard Glissant. Pour reconnecter précisément l'histoire des imaginaires communs à la géographie des sentiments. Aimé Césaire et les Haïtiens Franck-Étienne, comme Gary Victor, auraient eu leur place dans les variations du puissant souffle créatif de l'ardente palingénésie que tu as proposée à travers ta mosaïque du récit monde, dont le principal escalateur est l'émotion, celle qui saisit le lecteur, auquel tu aimes tant à t'adresser et qui ne doit rien à personne, simplement attentif au talent de l'auteur. En parlant de talent et d'auteur, il y en a un autre que je voudrais ajouter à la liste, Yambo Wologem, qui aurait également eu droit de citer dans cette anthologie des contestataires et des réfractaires. Cette anthologie qui convoque le burlesque et le comique hyperbolique pour combattre la barbarie. Yambo Wologem le fit en raillant et en décrivant l'empire des Saïfs, ces notables subsahariens, dynastie imaginaire et sanguinaire, experte en acrobatie sordide. Oui, tu as rappelé la bibliothèque pour qu'elle s'inscrive dans l'ordre du vivant. C'est ainsi que tu pensais épaissir notre cartographie des illustres, des classiques et des talents. C'est ainsi aussi qu'en ajoutant, par exemple, le romancier camerounais Ferdinand Oyono, qu'on épaissira aussi notre capacité à déployer nos imaginaires. Et cet auteur, Ferdinand Oyono, pour t'en dire un mot, cher Lefta, a écrit « Le vieux nègre et la médaille », un roman débordant d'autodérision, où l'écrivain monte à l'assaut de la colonisation dans les années 50. Et dans ce vieux nègre et la médaille, il brocarde les colonisateurs et leurs breloques, leurs médailles, vues comme de la quincaillerie dérisoire. Mecca, qui en reçoit une, il la perd après une soirée de libation, justement après la cérémonie de cette décoration. Il la perd, ou en tout cas, Ferdinand Oyono la fait perdre dans un caniveau où la médaille est entraînée par une pluie torrentielle. Cette faculté de pouvoir moquer ce qui est dissonant, ce qui est claudiquant, est la marque précisément que tu as su assigner à ta littérature. Enfin, pour finir, je voudrais dire, cher Lefta, hédoniste qui veut boire et jouir sans entrave, tu débordes d'humour
et de facétie. Tu es écrivain de l'hybridité, tenant d'une main le réel et convoquant de l'autre le pamphlétaire ou le fantastique. Tu joues donc sur plusieurs registres pour abattre les frontières, pour que notre monde soit refait et non défait par le rire, pour que le monde de la morale s'écroule, c'est ce que tu voulais dire, pour que nos cités soient plus avenantes, pour que nos villes soient plus resplendissantes. Tu ne t'es pas simplement contenté de la fiction, mais tu as su dire en lettres capitales ce qu'il convenait de rendre aux femmes, que tu écris précisément en toute capitale et en toute lettre, pour que le roman soit la convocation de l'universel, mais avec une condition, dis-tu, car sans femme, pas de roman. Sans femme, pas de livre non plus, et c'est ainsi que tu veux surtout interpeller la raison, mais plus profondément encore, l'émotion et l'imaginaire, fût-ce pour que l'émotion et l'imaginaire soient contenus dans le livre sacré. Cette ode à l'imagination est la même corde qui vibre dans les paroles du récent Goncourt Mohamed Bougarsar. Il dit « La culture est une chose capitale, un moyen de penser le monde et de passer par l'imagination pour révéler les potentialités cachées du monde. Des potentialités masquées par les abus et les désabusements contre lesquels la fiction doit braquer ses projecteurs. L'univers de l'EFTA nous saisit, nous perturbe, nous emballe, nous secoue. Il ne laisse jamais indifférent. Surplombant les fosses, les ravins, les bars enfumés, domine une invitation issue de l'écritoire leftaïen. Entrez, livre, être et personnage aimé, chéri, tous mêlés, confondus. Je nous convoque à la fiction. Je nous convoque à la fiction, au festin, au roman. Le roman contre la barbarie, nous l'avons dit ici. Nous n'avons pas manqué de le dire comme une arme. Josiane Savigno, journaliste au Monde, disait ceci. L'œuvre de l'EFTA fut un hymne au roman. Comme dirais-je, le roman fut l'hymne de ta vie. Merci, Tovarich, de continuer à travers la fosse, je veux dire le Don Quichotte éternel, hein, à nous tendre une oreille plus que compassionnelle, plus que fraternelle, plus qu'amicale. Continue à nous inspirer. Roya, Mayamot, Ambeti, ce qui veut dire le frère humain, brother, je nous salue. Merci. Alors, que peut-on dire après un exposé, après une présentation aussi totale ? Exhaustive, je dirais. Ce que je pourrais dire, en tout cas, c'est que vous avez réussi à mettre votre pertinence au diapason de l'impertinence de l'Iftah. Je m'excuse pour ce jeu de mots facile. Et je voudrais ajouter aussi une autre chose. Dans le catalogue que vous avez proposé, qui constitue une bibliothèque bien chargée, hein, d'auteurs que vous avez
considérés comme soit des références directes, soit évidemment des références indirectes auxquelles on pourrait penser en lisant Au bonheur des limbes, je me permettrai de rajouter un nom d'auteur. Parce que quand on lit Au bonheur des limbes, on y retrouve, comme vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, hein, la figure du romancier chahuteur, trublion, celui qui sait manier la dérision, qui bouscule les torpeurs, le thème du corps monstrueux, évidemment, l'autre personnage principal qui est la dive Bouteille. Et donc, évidemment, on peut penser à Rabelais, donc qui peut entrer dans ce panthéon d'écrivains. Gargantuesque. Exactement, tout à fait. Donc, je me suis permis cette petite observation pour le plaisir de continuer à dialoguer avec vous à travers votre présentation. Et je vous remercie donc énormément pour ce moment de plaisir que vous nous avez offert. Le cycle des conférences touche à sa fin, malheureusement.